La dernière fois, on n'avait pas Ifan avec toi. Ouais, il était en retrait, mais en vrai, le combat a l'air chiant, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Je peux aller loot, mais... Ifan reste là. Hop, une dent. En vrai, le problème du combat, c'est qu'il est chiant, quoi. Attends, comment on fait pour dissocier? Voilà, comme ça. Je vais y aller, parce que Ifan, il va me suivre, il va mourir. Allez, on fait tout péter. En fait, il faudrait un personnage qui désamorce le piège. Je sais pas si tu peux laisser ça morcer. Ah, je n'ai plus mes ailes. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Grosse popo de soin. Ah oui, c'est vrai que j'ai un sort puissant, quoi. Merde. Ah ouais, mais là, maintenant, on est... Ah oui, c'est... Tout est en feu, C'est pas un peu le bordel, là? Il veut pas aller tâtrer, il fan avec sa fille. La puce, je crois que ça fait... Je peux tenter, hein. Ouais, ça n'a pas l'air très efficace. Bah, ça fait de la... Ça fait de la... du brouillard. Ah ouais, c'est du feu maudit. Le feu maudit, ça peut pas... Ça peut pas être éteint. Pourquoi ça a tout a pété? Car j'ai utilisé complément de terre. Ça tout. Non, ça ne peut pas. C'est la vapeur maudite même qu'on a là. Après, je peux téléporter. Je peux téléporter tes joueurs. Bon, alors, avec le feu, bon. Dans tous les cas, c'est la merde, quoi. Pétrole de minuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas quoi trop compenser. Hein. Bah, en vrai, c'est juste le combat quoi qui est hyper chiant quoi. Et puis, si je me souviens bien, je crois qu'il y a une entrée de l'autre côté. Donc il y a moyen d'aller de l'autre côté et éviter tout ça. Ouais, What? Attends. c'est pour ça, je pense que le mieux c'est pas tenter. C'est pas tenter d'y aller, c'est vraiment trop compliqué. Oh, en réalité, on fait ça. Attends, je Ah pense que bah, je peux je sais appeler. pas ce qu'il fout là, il fan. Hein. J'étais juste. Bon. Moi j'étais pour aller chercher le loot proche là. Comme tu veux, mais bon, Mais après après le le combat, reste. il est possible, je pense. On peut le gagner. Comme tu veux, sinon on continue Non, l'histoire. On ferait. c'était trop chiant pour y aller en fait. Mais le loot, on peut aller le chercher. Je reste à la ville, du coup, je te laisse aller prendre le. Ça me suit pas, je vais juste. Je vais voir le mec là.
Je dois attendre de récupérer mon sort, sinon ça va exploser. En fait, si, je peux y aller, mais... Faut que j'attende à chaque fois que mon pouvoir de mes ailes respawn, c'est chiant. Bah, je dois attendre mon cooldown à chaque fois, c'est chiant. Je suis sûr qu'il doit avoir moyen de trouver l'autre entrée. Ou alors c'est pour autre chose. Ouais, il y a beaucoup de... C'est pas comme si c'est pas les quêtes qui mentent, je veux dire. Bon, allez, on s'en va. J'ai récupéré un peu d'argent, c'est le principal. Du coup, on fait quoi maintenant? Bah, fais voir les quêtes qu'on peut faire. Trappe cachée, trappe. Ouais, il y a des trappes de partout. Ça, on peut pas le faire, le combat dans les quais. Économie du fermier. Ah bah tiens, il y a... Ah mais il me fallait une appel. Ah oui, c'est vrai, bah t'es au magasin, t'es au... Je sais pas si ça va. Bon bah. Okay. Allez là. Bon, y en a un qui vont à manger. Il voit ton équipement mais pas de pelle. Bon bah, on va la voler. Bon. Alors voyons voir où on peut aller. On peut essayer de taper un troll. Ouais, l'ancien hôtel, on n'avait pas compris ce qu'il fallait faire. Grenier naufragé, c'est fait. Jahan, ouais, bah il faut aller dans l'autre truc. La quête de Ifan, on peut pas le faire. Bon, on peut pas, c'est pas qu'on peut pas le faire, mais je veux dire. C'est. On va mourir, quoi. C'est le problème. C'est ça le problème. En fait, le problème, c'est quoi? Il y a l'île à la rigueur, mais bon. Faut que deux d'entre nous se. Y a quoi? L'île À l'île. avec le brouillard. Ouais, mais faut sacrifier un personnage, on sait même pas ce qu'il y a là-bas. Bah, il y a des démons. Moi, je crois que je peux pas y aller avec vol. Hein. Non, non. Il faut ouais, un perso qui a téléport, mais bon. Il faut qu'il ait une bonne des bonnes compétences en téléportation. Bah, y a le fauve qui a téléporté. Mais est-ce qu'il peut se TP jusqu'à là-bas? C'est ça l'histoire. Ça, je sais pas. Donc c'est ça quoi. Après ouais, on peut taper. Faudrait que je vois combien il a d'initiative le troll, parce que moi j'ai combien d'initiative? J'en ai 22. Oh, mais il nous faisait super mal le. Bah si je le transforme en poulet après. Après ouais, mais il faudrait lui faire plein de dégâts. Il me manque un point de source. Tiens, bah je vais aller prendre mon point de source. T'es toujours en ville? Bah, je vais me TP, ça ira plus vite. Ah, Ouais, je t'ai vu. on peut voler de l'argent, essayer de trouver de l'argent quoi. Parce que là, ouais, il n'y a que ça à faire. Hein, trouver. Il y avait un truc à faire ici, c'était quoi? Pourquoi il y a une... Qu'est-ce qu'il y a dans cette prison? Enfin, je vais lire les quêtes qu'on peut faire. Alors, apprendre davantage sur le rituel des héros. Après avoir lu, nous avons découvert un ancien hôtel. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas, je comprends pas ce qu'il faut faire. Nous avons trouvé un manifeste dressant la liste des prisonniers se trouvant à bord d'une EHPAD, dont une héritière qui avait des spores en sa possession. Ok, moi bah, je me souviens pas. Le son de Rahan, ouais, bah il faut aller sur l'île, mes couilles là. Trouver l'apôtre, bah ça on l'a trouvé. Afin de tuer un étude démoniaque qui se fait appeler l'apôtre. Ok, mais c'est sur l'autre. C'est sur l'île avec le brouillard. Les nains ont disparu du brouillard dans les mains. L'aurore a connu des difficultés sur un de ses associés, un certain Mordus. Magister Roulian nous a demandé d'enquêter sur les activités de Loar à Flottebois et sur ses liens avec la Reine des Nains. Ok. Alors, les sombres manigances dans les fosses noires. Inspecter les quais. Bon, bah, ça, c'est la quête. C'est la quête qu'on peut pas faire. Bah, il faut trouver un dénommé Loar, mais je ne sais pas où il est. Pas avoir une récompense de quête.
Ça, bah malheureusement, de l'encre rouge dans le registre. Nous avons trouvé l'endroit où le mentor de Garvan a perdu la vie. C'est indéniable, il y a des traces de violence ici. Il faut buter l'orque. La mer de Barin. Il y a un pont-levis en bordure de flotte mer, de flotte-bois. La ville de la gardienne du pont nous a expliqué que sa mère était prise au piège par des anéants de l'autre côté. Ah bon? Ah bon? Bah ça oui, on pourrait le faire, mais bon, j'ai aucune idée de où il faut aller. Bon, on monte. Apparemment. Par les escaliers. Ouais, bon, il y a des quêtes, c'est pas ça le problème, c'est pas les quêtes qui manquent. Mais bon, c'est un peu le problème, c'est. Déjà, le Loir, je ne sais pas où il est. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme quête? Trouver la mère de Barin. Ok. Ok. Ah! Ok, bon, on peut y aller. On peut la faire celle-là. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut la faire. Ça doit me téléporter à toi. Je suis pas encore TP. Ouais, celle-là, on peut la faire. C'est vrai qu'on n'a pas exploré une partie de la carte. Il y a un trou noir là. Ouais, on peut faire celle-là. Un amour à un prix. Retournez voir l'acolyte de Lovric, dont ce dernier vend des charmes. Ah oui, c'est la quête où t'étais pas fait attaquer à poil. Il n'y a pas un moment où tu t'es fait tabasser. Oh là, je n'avais pas gagné cette quête. Bah, a priori, non. Retournez voir l'acolyte de Lovric, dont ce dernier vend des charmes. Terrifié a finalement préféré partir avant d'en profiter. Peut-être qu'un autre d'entre nous pourra prendre sa place. Ah oui, d'accord, faut que ce soit moi qui y aille, quoi. On va éviter parce que je crois qu'on a perdu notre équipement. Il y a une arène à flotte bois. Nous avons allumé les torches, mais elles se sont vite éteintes. Ah bah super. Ah, faut utiliser une magie de feu, je suppose, ou un truc comme ça. Accéder au camp elfique. Alors ça, on peut pas la faire. Ah, mortel brouillard. Rendez-vous à Ars. À Ars, vous devez trouver Michael Rose au mariage de sa fille. Ok. Dans les rues de la cité. Ok. Sauf qu'il n'y a pas d'endroit où on peut y aller. Bon, je. Il faut qu'on aille à Arx. Ouais, mais Je sais pas j'avoue. ce que. Moi non plus, je sais pas où c'est. C'est peut-être là où il y a l'espèce de trou noir. Hein, où on n'a jamais exploré. Bah, Arx, c'est. Non, moi bah, j'allais dire. Bah, je sais pas où c'est. Bon. Je retournais au plateau. Ok. Moi, je vais partir faire une. J'explorerai la partie de la carte qu'on n'a jamais explorée. C'est qui ici le chef navigateur dans ce plateau? Après, oui, si on part à on part à la maladie, on finit Elle est où sur le bateau. maladie? Ah, il y a une source. Elle est en arrêt maladie. Ouais. Exactement. Elle a pris ses RTT. Travaille dans la fonction. Bon. Il doit travailler dans la fonction publique. Hein. Je la vois pas sans pas de maladie. Ah mais attends, c'était pas dans le plateau qu'il y avait une salle là avec le boss. Ah bon? Oui, quand c'était pété fossé. Il y a une trappe qui mène à Thomas, quoi, bizarre. Putain, je vais pas te souvenir. Bon, si tu te fais attaquer, j'appliquerai. Attends, c'est à cause de mon. Parce que je voulais découvrir une salle secrète. Ah. C'est bizarre, il y a plus personne sur la place. Oh, je vais louper, écoute. Ah oui. Oh, un gift de compétences. Ah bon? Un livre de compétences pour qui?
Bah pourquoi, plutôt pourquoi? Ah, on peut pas faire le tour. Trouver une clé aussi. À quoi elle Mmh, sert? mmh, 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 mmh. Où est-ce qu'on... Ouais, par là. Point de contrôle des paladins. On va utiliser le point de contrôle des paladins, non? Vu qu'il faut faire le tour. Quand même pratique, hein, ces trucs. Bon. Est-ce qu'il y a un chemin qui peut m'emmener... A priori, oui. Bon, il y a très forte chance que je me fasse attaquer, hein. Je suis level combien pour level 11? Po, 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 po. Je me promène de sur l'île. Ah, apparemment, on n'est jamais venu ici. Bon, bah, c'est le. On va explorer. Le jardin des pierres, ok. Ok, c'est fermé. Ça, c'est une so ça veut dire qu'il va se passer une dinguerie. J'aime pas l'endroit. Gardien du cimetière. Ah, je suis dans un cimetière. Bonjour, madame. Il n'est pas vraiment humilié, puis un long gisement. 10 corps plus bas, les humains dorment. 10 coudées plus haut, les nains reposent. J'aime bien ta chanson, elle est pas du tout glauque. Non, non, je parle à un lézard. Je monte la garde, je m'occupe des tombes. Je peux piller les tombes? Ouais, non, je suis quand même pas. Je suis un voleur. C'est qui Riker? C'est un puissant ensorceleur. Peut vous prendre. Votre tête, pas la. Juste le corps. Ah. Ok. Ah, un peu le. Ah, bah, ok. Faut tuer Riker. Il a un nom de merde aussi. Alors, attendez. Si Riker il est nul, on peut peut-être le. La... Peut-être le tabasser, mais bon. Ah bah. Voilà, ouais, je suis un Améide. Non, je. Non, moi je dirais pas le mot, je suis pas une poucave. Partez. Tu veux que je te défonce la porte? C'est ça le problème. Tu veux que je te casse la gueule? Bon, vas-y, si tu veux Poucave, moi je. Ah oui, il est là, il est level 11. Il Ah, est mais c'est level. pas. Oh, mais je vais texter à la tablette, il m'a dit que pour après. Ah. Oula, il m'a fait peur. Bonjour. Bonjour. Alors le mec est là-bas. Oula putain. C'est quoi cette bestiole? Tu la vois la bestiole là sur la dans la salle à côté? T'es le mec qu'il faut tuer un hein, Riker. Vraiment non, je suis. Tout à Quoi? fait. J'ai voulu parler, lui voler un truc. Comment ça, malveillant? Tu vas voir, moi, si je suis. Bah, vous avez rien à vendre? Non? Je sais pas, moi, je suis là pour faire des affaires. Et puis, je m'en fous, tu m'aimes pas, frère. Je te connais pas. Bonjour. Bonjour. C'est les huissiers de justice. Staircase leads to another hatch, which is blocked no matter how much you strain and grunt.
To and trap. À mon avis. Faites pas attention à moi. Écoutez, je fais du tourisme, je suis un touriste, je suis comme un touriste anglais à Paris. Tourisme, je suis... Non, non, je prends pas tout en photo, mais un peu quoi, c'est vrai. Excusez-moi, pardon, faites pas attention à moi. Ascension d'Alexander, dans ses pages, Uber raconte... Ok, je m'en branle. Comme si j'ai, je sais pas, comme si j'allais lire moi. Pff, je suis voleur, pas bien. Ah mais c'est comme Harry Potter. Tu fais le mal, le tableau, mais si je te vole, tu vas faire quoi? Voilà. Bah là, t'as rien fait. T'as rien dit du tout. Ah non, il y a des mecs en haut. What? Où se passe des trucs bizarres ici? Je vais aller en haut, bon. Ok mec. Bon, bah je suis allé en haut, j'ai découvert des saloperies. Hein. Bon, il raconte quoi le Raikön hein? Oh putain, on a gagné le display. Encore faut qu'on aille lui chercher une tablette. Tablette et en échange il nous rendra plus puissant. C'est vrai, mais après on pourra le tuer. T'es un marchand, donc qu'est-ce que tu vends? T'es une merde comme marchand, j'ai rarement vu un marchand aussi pété. Tiens, ton tableau que je t'ai volé. Elle est où sa tablette? Oh putain, mais il y a des quêtes de partout. Je regarde la carte, il y a des travaux dans tous les sens. Ah non, je vais pas... Non, non, je... Ouais, ouais. Non, mais je... Non, j'ai pas ta tablette. Je vais la chercher. T'inquiète, frère. Bah, frère, non. Je vais te buter à un moment, puisque, bon, vu que t'es un connard. Hein. Tu nous rends fort, et ensuite, on te tue. Voilà, c'est dans ce sens-là des choses. Alors, c'est quoi la quête? On est vers Vist, ils vont... Ok. Sur la carte. Ouais, mais... Faut parler à la salamandre. Non, il y a une quête avec la salamandre. Tu sais... Ah, mais je parle aux animaux. Bah oui, c'est un animal, ce truc. Quoi? Tu veux que je te bute, la salamandre, peut-être? Tu veux que je te bute? Bon, je sais pas, il veut la chercher. Elle était où? Il a dit un endroit pour sa tablette? On propose de nous... Bah oui, mais... Bah c'est beau, mais... Si on ne dit pas où est la tablette, moi je vais pas savoir. Hein. Il a dit quelque chose concernant une localisation ou quoi que ce soit? Oui, il l'avait mis sur la carte, mais je préfère faire ça. Bon, en attendant, je vais faire autre chose. Il y a une femme à le sauver. Hein. C'est un cimetière où il habite, le gars. Ah, du coup, on peut cumuler les... Oula. Oula, il fait de l'orage, j'ai peur. Enfin non, j'ai pas peur, mais bon. Oh, en vrai, je suis là. Attends, c'est quoi ça? Ah, on peut lire les stèles. Ah, un chien. Ce qu'il veut, le chien. Rusty, il s'appelle le clébard.
Je te parle, le chien, là. Pourquoi tu cours partout, là? Hey, c'est le chien. Ah, c'est le chien que j'ai aidé à flot de bois. C'est le chien du clochard. Ah bah voilà où il a fini le chien. Il a fini dans un cimetière. Ah, faut que je tabasse la. Ok. Tu es monté toi en haut? Non. Ah si, je suis monté en haut. Il y avait des étoiles d'araignée. Bah attends, mais je vole. Pourquoi j'aurais besoin de. Je peux passer au-dessus de la clôture. Ah bah d'accord. Je vole, mais pas. Oh. En train de pouiller un cadavre. Ah. Effectivement. Ah, mais ils sont pas au level ces instruments. J'ai retrouvé le clébard de flotte bois, ça m'a fait rire. Sinon j'ai trouvé des ennemis. Hein. Mais il faut ton familier. Parce qu'il y a une porte qui est fermée, je peux pas l'ouvrir. Bon, familier. Ah oui, tu veux pas pour la défausser. Ouais. Je pourrais la défoncer, mais. Bah je sais pas si tu les. Bah tu les vois sur la carte. Il y a deux. Il y a deux. Ah mais ils sont attaqués. Ah faut aller les. Ils sont attaqués les. Est-ce qu'il y avait un autre chemin? A priori non. Le type, il s'en bat les couilles qu'on a pris ça. Il s'en fout total. En fait, si tu continues là sur le chemin, il y a deux amérants en vigne minérale qui. Deux machins. Ah, mais c'est nos amis, les amers. Ah, je suis trop là. Ils attaquent un cadavre en tout cas. Alifans. Ah ouais mais Ifan, c'est je tiens une flèche mais à 200 mètres quoi. Je vais y aller en fufu. Comme je fais plus de dégâts en étant furtive. Très ti un puceau qui marche. Je sais pas ce qu'ils attaquent, mais. Ah! Grillé. Attends, j'arrive. Voilà, j'ai déjà niqué son armure. Attends, je vais pas attendre votre qualité. T'inquiète. Et oh. Ouais, Ifan aussi, il arrête de rien clanter. Est-ce qu'ils sont. Ravitaillement. C'est quand il pouffe le cadavre. Pourquoi t'as attaqué Shigeru? Je sais pas pourquoi il s'est attaqué. Parce que je crois que j'étais en train de switcher de perso et. Ah mais ils sont trois, j'avais pas vu. J'en avais vu que deux moi.
Ah. Ah, je recommence mes malédictions et tous les machins de l'eau comme fait. Adrénaline. Wow. Bon. Ah, il est acidi. Il s'est pouffé l'acide. Oui. Ils ont quasiment aucune armure. Aucune armure magique, quoi. Ah oui! C'est marrant, j'ai pas les animations des attaques du fauve. Ah mais attends, mais ils sont atta... C'est toi qui leur a fait autant de dégâts? Ça doit être un peu... C'est un peu bug. Allez, prenez. Autour de la brûlure. Hein. Bon, je pense que celui-là, il est... Ah mais il y a quelqu'un avec nous! Si, si, la gardienne du pont, Marie Prout, qui nous aide. Ah, mais c'est elle qui leur faisait des dégâts. Elle est rentrée de chez elle. Elle a vu que les trucs se faisaient attaquer. Elle s'est dit, vas-y, frère. Ça y est. Bah, en vrai, attaque le 2. Soit t'attaques celui qui est full vie, soit t'attaques celui qui est à 139. Parce que celui qui est à 17, bon, il va mourir tout seul, quoi. Vraiment celui qui à 17 vraiment il va mourir tout seul. Donc le mieux c'est de faire des dégâts aux ceux qui sont proches de nous. Ou au mieux celui qui est plus loin. Comme ça on est bien. À voir. Moi après derrière je peux lui faire des bons dégâts aux... Putain, ils explosent comment ils font. Attends, c'est moi ou il y en a un qui vient de spawn là? Oui, j'en ai plus qu'un et il y en a un autre qui l'a repassé. Bon, ça va, on est 5. Okay. Bon, coup handicapant. Bon, après, ils ont pas beaucoup d'armure. On est plus au level que nous. Que... Bon, déjà, tu vas sortir des flammes, Ifan. Bon, t'as plus moyen d'appeler ton loup, mais. Attends, ah ouais, bah oui, mais c'est trop du cul à utiliser. Ah. Ah oui, d'accord, elle récolte pas. C'est une grenade directe. Ah, elle a envoyé le. Elle a envoyé la. Ah bah il a tué son pote, hein, tant mieux. Ouais. Alors, en fait, je crois qu'il a essayé de me visser, mais son pote était sur le soir. Ah, il y a encore une humeur, de l'armure physique. Oh les bons dégâts. Et maintenant, je suis plus là. Comme ça, il perd son temps à... Ah ouais. En fait, il te fait des dégâts de feu, quoi. Elle va le tuer tout seul, elle. Bravo à elle. Bravo à la gardienne du phare. Ah ouais, la brûlure plus cécité. Donc pendant 2 tours, il est aveugle. Après, il faut se dire, est-ce qu'il y a des renforts qui vont arriver? C'est ça. C'est ça. Ça c'est marrant, je vois pas les attaques du fauve, quoi. Bon, après, on m'en plaint, non? Vu toutes les explosions qu'il fait. Le fauve. En fait, je vois pas ses attaques. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'était déjà arrivé, en fait. Bon, bah, il en reste plus qu'un. Et notre amie Marie. C'est au... Ah, mais non, on est sorti en copain. Ah oui, mais il est parti chercher l'autre.
Ah tiens, ouais, on va soigner Ifan. Ah, comme toi. Y a que Shinwaru ouais, qui est en combat. Voilà. Elle a été touchée. Marie mes couilles. Ah ouais, Marie mes couilles, elle a pris elle a pris cher quoi. Allez, salut. Vous avez gagné mot-clé héros. Aider à libérer Marie des anéants. Ah bon, bah c'est une quête. On a débloqué le mot-clé héros. Bon, vu que tu parles à madame, moi, je m'occupe de... Voilà. Je vais parler au gamin. Ah voilà, le gamin qui arrive. Maman! Bah t'inquiète, ta daronne... La récompense, gamin! Ah mais ils vendent des crochets de cambrioleur. Il vend des trucs de cambrioleur lui. Bah attends, c'est devenu mon meilleur pote lui. Ils ne passeront pas. Ok, j'ai la ref. Ah, ça fait plaisir de voir un gamin avec sa daronne. Ah non, la ref. Ah, vous avez... Écoutez, c'était sympa. Je vois mon cousin Raymond, c'est un gradé de l'Orne, il se trouve à... Ah! Ouais, écoutez, les magisters, bon... Vous savez ce qui les a attirés? Ah, vous avez de la chance. Ah, on a droit à une récompense. Et c'est quoi? Alors. Récompense. Choisissez une récompense. On a le choix entre des gants, des bottes, un casque et un bâton. Bon. Il y a une maison, vous avez trouvé... Oh, il y a personne. Alors déjà on a de l'argent, on a une potion résistance au poison et on a une flèche empoisonnée. Bah, c'est quoi le mieux? Après ce serait pour Ifan. Hein, ouais. C'est de la... En vrai le casque. Hein. Ouais le casque. Moi je prends le casque. Tu peux prendre une récompense ou pas du tout? Voilà, je vais en train de piller sa maison. Ah je crois que c'est Ifan qui a eu la récompense. Bon bah si c'est pour Ifan, en plus il avait besoin d'un casque donc ça tombe à pic. À toi, Ifan. Il a vraiment le look, hein. Ah, il a 117 en défense physique. Ah. Ah bah oui, ça va. Il a un bon équipement hein, avec Shinro, ça va, ça passe. On va juste changer. Bah ça va en vrai. Juste, il est pas résistant du tout à la magie. T'es en train de cambrioler la baraque, attendez. Oh mais y a que toi là-bas. Merde, j'ai pas pu. Hop, chasse. Hop, c'est à moi ça. Bah c'est vraiment une baraque que l'eau Attends, il y a des livres. Ah, mais t'as déjà fait les livres. Ouais. Non, y'a rien. On vole le. D'habitude, c'est moi le voleur. Hein. Putain, j'aurais dû acheter le truc de cambrioleur au gamin. Oula, une sauvegarde automatique, c'est pas possible ça. Oh, on peut rentrer dans le puits. Ouais, il y a un truc dans le puits. J'avais vu le puits au loin. Oh, attendez, je vais utiliser le TP. La TP, ça sera plus simple. Ah, ouais, il y a des bails dans le puits. Des champignons gelés. Je sais pas à quoi ça sert, mais je les vole. Ah, il y a un truc là.
J'entends des bruits, mais... Ah oui, c'est moi qui ai ouvert une... Pas bien. À moi. Viens, je vais passer à toi. Au lieu de te piller, je sais pas quoi. Ah, mais je pille pas. Ah. Ça se tape. Ifan, va piller. Tentez. Alors on est deux, il y a Ifan et... Pourquoi j'ai volé un truc de pétrole moi? Bon après il est à moi. Oh, 250 or. Pas mal. 11 pièces et des pastèques. Bon, on va avoir besoin de ta ton infamilié. Oh, il y a une armure en pour. Il y a du loot là. Possible, ouais. Faut le familier là. Ah, mais attends, il y a une échelle. Je prends l'échelle. Go. Bah, ok. En fait, ils peuvent venir les autres. Shinaru et le fauve, ils peuvent venir. Oh bah attends, il va venir notre Il y a une trappe. Bon, Shinaru, il va arriver. Elle est où la maison? Voilà, il y a plus de portes. À la prochaine maintenant. Putain, elle est où la trappe? Bon, au pire, Shinaru, il peut faire ça en vrai. Hop là, salut. Voilà, c'est bon, il y a plus de portes. À moi! À moi le loot. À moi le coffre. Oh! Il y avait quoi? Un pantalon, des jambières et un collier. Oh, il y a un marteau. Achète, à moi le marteau. Et dans le sac, à quoi? Il n'y a rien dans le sac. On peut le voler le tableau? Bizarre, on peut pas voler le tableau. Ben, voyons voir ce... Bon, Ifan, soyons sérieux 10 secondes. Voilà. Alors, un collier pour... Ah bon, ouais, le collier de Shinaru. Ah, il est déjà pété, quoi. Ah, il est, je veux dire, il est fort, quoi. Hop. Un talisman. Collier rouge feu, mes couilles, là. Il y a une masse à voler. Il y a une masse à vendre. Tiens, ça c'est pour les fans. Ah, j'ai un pantalon de jambière niveau 2 en maître de savoir. Peut voler. Il y a quoi dans le panier? Il y a rien. Ah ouais, t'es parti. Oui, il y a pas la femme. Ah, mais il y a deux sacs. J'ai pas volé le deuxième. Ah bah, il y avait rien dans les deux cas. Bon. C'est toi le marchand spécialiste des... C'est qui a l'argent ici? Ah, c'est moi. J'ai besoin de ton expertise, mon ami. Enfin, t'es pas mon ami, mais... quatre pièces. Oh, ça met plus 1 en commandant. Ok, je vais le donner à Ifan. Ok. 59, 12. Ouais, bon. Ouais. Comme ça, il a plus 1 en commandant et plus 10 en résistance magique. Bon, après, c'était un équipement level 9, quoi. Du coup, on a plus 2 en équipement, donc on a plus 6 en esquive et plus 9 dans les résistances. Pas mal. Bon, du coup, avec ces histoires-là. Attends, j'ai retrouvé un truc.
On nous a promis du boulot, donc. Ah, je vois que t'es au. Ah ouais, il y a une partie. Ah oui. Dis-moi si je peux me taper à toi. Non, attends. Je sais pas si tu vois ce que Oui, j'essaie de j'ai faire. vu, t'es en train de faire le. T'es en train de te TP. Ah, je vois que t'as pris un peu de dégâts. Oui, mais c'est à chaque fois que je tapais beau personnage, c'est car ça renvoie les dégâts, c'est pour ça. Ça revient automatiquement. Non, je vais pas acheter ton truc de merde. Ça pourrait être fort, ouais, grève de peau. Mais 660 pièces quand même. Hein. Après, je pourrais lui vendre tout mon bordel, mais. Mille et x. Pas mal. Bon, je suppose que je peux te rejoindre. Attends, non, pas tout. Voilà, maintenant tu peux. Ok, j'arrive. En réalité, avec les deux compétences dans ce que je cherche, je peux téléporter tout le monde en fait. Bon. Merde, je me suis. Eh merde. Bon, tant pis, j'ai mis ce clic. Pèlerins corrompus. Tu vends des trucs? Tu vends un coquillage, tu t'es foutu de ma gueule? D'accord, toi. Ah, Ah, mais c'est pas ça le mariage ah si, il y a une histoire de mariage. Ah, mais t'es qui toi? Le poigneux dans sa gueule. Ah bon? Ah bon, ok, je m'en fous de toi en fait. Je pourrais te tuer si j'en avais envie. Ah, il pousse, enlevé. Comment ça, il a besoin de vous? Il est beau de vous avoir. C'est toi là? Bon, je te laisse négocier avec le monsieur. Il a l'air un peu taré, hein, donc. Bon, les gens tarés, bon, voilà. Ça signe trop, serait souvent pas mal. Ah, j'ai trouvé le point de TP. Je vais le débloquer, comme ça au moins on pourra se TP. Il y a une ambiance ici. Oh, faut qu'on aille voir le net. Ah, c'est pas une autre. Ok, je croyais que c'était un point de TP, mais absolument pas. C'est juste une quête. C'est elle, la maîtresse? Ok, on va pas. Hello, la poutre. Oh, y a une. Ouais, j'ai essayé de la pousser, mais c'est rien passé. Ah, mais des gens morts là. Ephrem Ah, du chaos. j'ai ramassé un truc par terre. Ah, c'est beau, j'ai trouvé la poutre. Ah, mais maladie est là. Salut maladie. Qu'est-ce que tu fous là? D'accord, je vais te buter. Ah, chapitre 4.
Oh, je sens. Oh, un marchand, tu vends quoi? Ouais. Oh, il vend un équipement unique. À 223. Ah ouais, mais il faut être level 15. Ok. Il faut être level 15, on est level 11, quoi. Mais j'avoue, putain, un équipement unique. Alors, plus en force, plus 3 en constitution, plus 10 résistance à l'eau, plus 10 en résistance à la terre, plus 1 à deux mains, plus 1 en châtiment et plus 25 de déplacement. Et quête d'animal, ok. T'es mon copain? On va devenir copain, je vais te l'acheter ton truc. Hein. Quitte à plus avoir de ronds sur moi. Mais bon, il faut être level 15, donc ce sera pas pour tout de suite. Hein. Ouais. C'est quoi ton pari? Ah, il veut parier 500 ans. Sur la 100 mai ou sur votre notre maître? Ah, il va avoir un combat. Bref, alors, ton pari. Non, non, je veux pas le faire ton pari parce que je. Ah, il y a un cadavre ici. Pas trop ce qui se passe, mais attends, t'es un marchand, tu vends quoi, mec? Oh, oh la vache, il vend des potions, des fioles de potions maudites. Ok, c'est sympa ici, j'aime bien. Pas un d'entre vous qui vend des potions? Ah, c'est lui l'apôtre, c'est un gros lézard en fait. Je parle à ton co à ton pote là. Tu peux te gratter les oreilles? T'es pas sympa. Il est pas sympa l'animal. Ouais, le nain il voulait faire un pari, mais je l'ai pas fait. Hein. Non, je suis pas aventurieux. Hein. Pas balancer le pognon comme ça sans raison. Bon, tu négocies avec le monsieur. Hein. Ah, il était sympa, il nous a donné un troisième point de source. Ah oui, il faut. Ah ouais, d'accord, il me faut 4 points de source quoi pour utiliser la compétence que j'ai. Ah. Je sais pas, je Bon, du coup, lui, en gros, la quête qui nous a fait, c'est pour qu'on aille au centre de l'île et il y a des anéants que toi, plus. Y a un mec qui veut me tuer. Je crois que j'ai énervé le mauvais bougre. Comment expliquer que c'est la merde? Tu peux relancer une sauvegarde ou pas? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? En fait, je voulais aller voir au nord de l'île ce qu'il y avait et je suis tombé sur un combat. Sauf que comme j'avais pas Ifan et que Shinoaru il a zéro en éloquence, bah. C'est quoi cette armée? Ouais, il vend une armure unique. Le... En fait, je suis avec un de tes co. Pourquoi t'as attaqué Bah non, je suis allé me promener, puis je suis tombé sur un. Sur un gars qui voulait me combattre. Yortos. Carrière te les frottes, c'est simplement putain. Mais... Ouais, je crois que. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Bah, vaut mieux sauvegarder, reprendre. Bah, c'est là pour bah, c'est eux que t'as buté en fait. Pour la quête. Ah!
Tiens, c'est ça l'arbre affecté ou je sais pas quoi. Ah mais par contre on est. Ils invoquent plein de trucs quoi. On va expliquer que ça va être compliqué. Hein. Et après, faut qu'on aille qu'on retourne, tu sais, au laboratoire de l'autre là pour débloquer une nouvelle compétence. Bah, je pense qu'on va faire ça là maintenant, puisque bon. Là, on se fait un peu défoncer. C'est un peu le défonçage de cul, quoi. En fait, si on peut. On n'est pas obligé de les affronter. Il y a moyen de négocier. Ouais, bon. Ouais, Moi bon. je lui donne quelques accolés. Ouais, bon, on a compris. On va se faire défoncer. Faut gagner en niveau. Bah après on a gagné un niveau donc. Mais il faudrait trouver un endroit pour se TP parce que là. Bah le. Une statue pour se TP quoi. Ah ouais, je suis retour en ville donc ça va. Ah, elle vend des trucs de nécromancien. Linceul noir. Ok, en pièce, mais ça c'est ce que t'as. Cache d'ossement. Bon, je vais aller reparler au truc du coup. Ok. Mais elle aussi, elle vend elle déployée. Ok, là, sympa. Faudra que je devienne pote avec elle. Bon, je vais me TP à toi. Et promis, je ne vais pas sur la. Le nord de l'île. On peut tenter le pari du coup. Ah mais non, mais il faut. Faudrait que je fasse ça avec Ifan. Ifan, il a plus de d'éloquence. Level up. Ah ouais non, il a qu'un en éloquence. Bon, Ifan, pari pour maladie. Voilà. Bon, si maladie elle gagne, on sais pas, on aura de l'argent. Attends, mais pourquoi je suis pas top chez moi? Mais non, mais c'est ton sac en fait, pas le masque. Ah, il y a un coffre. Ok. Pourquoi il y a. Ah oui, mais je peux parler à Ifan. Pourquoi il a invoqué son Il a invoqué son loup, je sais pas pourquoi. Ifan, il a pété un câble. Je suis un démon, pas un caniche. Même excusé, je peux te voler maladie? Je suis sûr que t'as du bon équipement. Ah, il caresse son clébard, l'apôtre. Ouais, non, on va pas te.
Master's identity is of no practical to your smoldering half-demon head. Ok, bon, je vais pas te provoquer. Ah oui, il faut que je sois avec toi pour le rituel. Sinon, c'est la merde. Ah, on peut absorber la source de l'esprit. Ah, on peut, en lui parlant, on peut absorber. Faut pas chier dans la colle. Hein. Si je suis pas avec toi, le rituel il va pas marcher. N'empêche, 3 points de source. Bon, a priori, on peut pas en avoir plus. Alors, soit notre icône elle est plus grande. Parce que là, pour l'instant, on a que. On a deux. Notre icône est toute petite. Donc, si on a un quatrième point. On mettra un quatrième point. Après, ouais, il y a peut-être un quatrième. Ouais. La racine nord, elle est la racine nord. Bon, pendant que toi, tu... Hop là. Je mets mes points. Ça, c'est une chope, c'est pas une racine. Je me demande pas ce que je fais avec une chope dans mon inventaire. Bah, je crois que... Il faut aller les chercher à un certain moment, les racines. Ah bah je vais te les ramasser là. On va mettre des points d'équipement après. Ah oui, le prochain niveau, il est dans longtemps, quoi. 26 000, même pas, 27, 267 100 points, quoi. Ah ouais, c'est quand même dans longtemps, quoi. Que je peux utiliser ma compétence que j'ai. Ah oui, c'est bon, je peux, ça y est, je peux one shot un... Je peux tuer instantanément un ennemi s'il a moins de 20% de sa vie. Donc ça peut être fort, hein. Bah c'est très fort même. J'ai deux points disponibles. Putain, j'ai le même nombre de points de constitution et c'est Shinro, il a plus de points de vie que Ifa, quoi. Ah non, ça c'est un anneau. Ouais. Même pas, je sais même pas ce que c'est. Bah non, c'est les anneaux ça. On peut avoir deux anneaux. On va en acheter un anneau. C'est vraiment une poubelle mon inventaire. J'ai de tout quoi. Regarde ton sac, chaleur. Il est si gros, je sais pas. T'as la racine nord là. J'ai la jarre de rituel. Je sais pas. Mais je crois qu'on a plus... j'en ai pas eu hein. Il faut en chercher hein. Oh, il nous l'a. Bon, a priori je ne l'ai point.
Bah non, j'ai pas l'impression de l'avoir. Ah, j'ai pas Oui. l'impression. Je sais pas. Moi, en tout cas, elle est pas dans mon inventaire. Hein, c'est même ça. Cette noire, utile. Ouais, non. À mon avis, ouais, faut. Il y a moyen qu'il faut en chercher une quelque part. Hein. Trouve au coin de notre trouvaille. Je vais aller voir. Alors, c'est de la racine noire qu'il faut. Apparemment, il y a des PMJ qui peuvent en vendre. Ah, tu. T'es en train de faire quoi? Ah, mais t'inquiète pas, trouve pas assez de trucs. Apparemment, ça dit qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Alors, soit des PMJ en vente. Ah, c'est possible qu'il soit dans le bateau. Tu l'as envoyé dans le bateau. Oui, je vais en encore voir si tu veux. Bon, je vais voir si les marchands en vendent. Mais je crois que j'en ai jamais vu. Je n'ai pas vu ça. Ouais, est-ce que oh, ben. Alors. Non.
Alors, on va pas. Ah, mais elle vend des potions de soin, elle. Ah ouais, le prix des potions de soin. Ah ouais, abusé. Non. La marchande auquel je pensais n'en vend pas. Oui, peut-être. Non. Ok, moi je sais pas de racines de nord là. Bah, le mec vend une jambe de marchand mort. Non, genre. Après, je crois qu'il y a la marchand, la celle qui. Il y en a une apparemment, elle peut en avoir, mais c'est. Je sais plus exactement où elle est donc. Bah écoute, on va la retrouver car on n'a pas de choix en fait. C'est la mort vivante. Ah, je crois qu'elle est près de Jaal. C'est. C'est la marche, c'est la espèce de mort-vivant là près de l'église. Je vais voir si je peux. Le problème c'est que le point de TP est loin. Bon bah on va tester hein. J'ai exploré et puis on verra. Hein. Bon, c'est pas comme si j'allais me faire attaquer. En surpris par surprise hein. Mais elle est où déjà elle? Espèce de mort vivante là. Je sais qu'on avait passé. Elle est près des ours là. Bon, on va tester hein. On va essayer de passer à gros par ça loot à ce que je vois. Donc là, il y a les ours. Les ours sous drogue. Salut les ours. Faites pas attention à moi. Je crois que c'est là, mais je sais plus précisément où. Ah si, c'est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Bon, après, est-ce qu'elle l'en vend, ça, je te le dirai dans 2-3 secondes. Ouais, c'est elle. Je crois que c'était elle dans la soluce. Salut, meuf. Alors. Bah non. Attends, c'est quoi hein? Qu'est-ce qu'ils racontent les bougres?
Un maître dit qu'il y en aurait un à côté de la nécromancienne qui cherche le lit qui fait se poser les corps, et un autre dit que tu compléteras quand même le rituel en progressant dans l'histoire vers l'acte 3. Ok, hein. Tu peux, est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a dans le Takato de Ifan? Ah, j'ai regardé. Et dans le Etia aussi? Non, Ifan, lui, il a pas grand-chose dans son équipement. Dans son sac. Mais je crois que j'avais regardé. Il y a plein de racines noires pas très loin de là où on croise. Ah bon, il y en a plein. Bah ok. Je suis littéralement en mais bon. J'en trouve pas. Ah. Non. Je suis à l'endroit où de la meuf, mais bon. Là, j'entends les explosions et tout. Bon, il va éviter. On va éviter d'y aller. Ah, il doit y aller. Bah, franchement, je n'en trouve aucune. Hein. On va faire la technique de je lui parle. Merde, ça a pas marché. Bah je ne trouve, j'en vois pas. Hein. On va regarder un autre sujet. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé. C'est bon, j'en ai trouvé. Ah bah tu peux me la donner. Ouais. Alors, Et tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé où? à l'endroit exactement où c'était. Ah merde, je l'ai mangé. Putain, mais t'es... Non, je déconne. Alors, je viens d'apprendre un truc. Quand tu fais halt. Alors, faut savoir un truc, ça repousse. Elle repousse les portes noires. Alors quand tu fais halt, tu vois les trucs que tu peux ramasser. Ah, c'est vénère. Tu l'as bien reçu. Putain, tu vois les items que tu peux ramasser grâce à... Attends que je revienne avant de faire le rituel.
Bon, bah, c'est bon à savoir. Hein. Quand tu fais halt, tu vois les items que tu peux ramasser. C'est bon, je suis là. Ah oui! Effectivement. Vénère. Quand tu fais halt, tu vois vraiment tous les items que tu peux ramasser. Donc, si jamais t'as oublié un truc. Et c'est bon. Ah mais il y a des ennemis. Dévoreur d'âmes. Ah ouais mais je... Ah ouais, il y a un Non, combo. je peux pas réellement contre eux. Bah oui. Ah oui mais il y a... On n'est pas tout seul. Il y a Rani... y a Rally qui se bat avec nous. Par contre, comment je peux faire des dégâts à un truc qui n'a pas de corps? Bah sur la machine. Ah oui, je lui fais des dégâts magiques. Ah. Après, il y a Rally qui m'aide. Ah, c'est marrant. Mais il se barre. Ah oui, on est à deux. Ah oui, ok. Ok. Ah mais ils se barrent. Ah ouais, ils attaquent Graik. Ils se passent quoi s'ils meurent? Je le souhaite pas, hein, mais bon. J'avoue que moi je fais des dégâts. Ah merde. Atrophie bloquée. Immunité aux dégâts physiques. Mais c'est quoi cette connerie encore? Ah, ok. Ok. Ah oui, merci Ralik. Hein. La société te remercie. Miss TP, il me saoule. Bon, après, ils attaquent. Bon, après, t'es débile. Le gars, il est trop débile. Ils sont TK. Rally qui est. Il supprime même pas de TK. Putain, mais je lui fais aucun dégât, moi je suis un DPS. Ah, Rally qui est immunisé contre forme de poulet. Donc il ne peut pas le transformer en poulet. Putain, je viens de pas d'ISP. Ali, quelle aide! Aïe. Ah, il me fait des dégâts physiques. Bon, ça va. Bon, ça va s'il fait des dégâts physiques. Moi qui craignais qu'il attaquait sur la magie. Mais non, il est zéro. Ah, j'avoue, j'ai une attaque qui... J'ai une attaque qui fait des dégâts sur la magie, quoi. Elle fait dodo. Moi je me disais, ah ouais, mais je suis dans la merde. Ah ouais, d'accord. Je fais 5 de dégâts. Tu penses que tu l'as tué, toi? Il est presque mort. Pourquoi? Parce que moi je lui fais aucun dégât en fait. J'ai esquivé. Shinoharu, l'esquiveur. Ah ouais, il a une immunité physique. Ah par contre, je ne sais pas comment ça se fait, mais mes sorts se... J'ai un cooldown assez faible sur mes coups. C'est ridicule. Je lui fais 2 de dégâts. Je suis vraiment une petite merde. Après je m'ai saigné. Bah il va faire quoi? Mais il est con lui, je sais pas ce qui me branle mais. Aïe, 67 de dégâts, Bah ça fait. voilà, il est mort. Ah, je peux pas en dire autant. Hein. Bah oui, je suis un perso qui fait des dégâts sur le physique.
Sauf que le machin, il a pas de dé... il fait... Il a rien en physique. Donc bah voilà, j'attends que Garrick arrive, Rallick arrive pour me faire pour m'aider. Secours Rallick! Quelle une petite merde. Je suis vraiment une petite merde. Je te vois le copain c'est Fritz. Bah ouais, je lui fais aucun dégât. Puis y a Rally qui me regarde. Ça va Rally que le branche de couille il est pro, il est là. Va pas crever tout ça. Bon Rally que il serait peut-être temps que tu te bouges les fesses pour rester poli. Bon, heureusement que je peux te soigner, Rallick, parce que sinon. Voilà, je lui ai rupture, les tendons, rupture des tendons. Et juste parce que j'ai envie de rigoler. Ah ouais, récupérer un point de source. Ça n'a aucun intérêt, mais bon. Ah, apprendre. Au... Bah, j'ai un succès, on n'est rien branlé, quoi. Bon, rallye, bordel! Tu vois pas que je me fais défoncer la gueule? Putain, il fait aucun effort ce débile. Voilà. C'est ridicule, hein. Vraiment. Ah bah voilà, rallye qui. Bah qui fait rien. C'est vrai que je peux le laisser dormir, hein. Voilà. What? Mais il dort plus. Pitié, m'abandonnez pas. Genre de faire attaquer par contre. Ah bah. Bonne chance. Qu'est-ce qui s'est posé? Ah ouais, mais là je suis sur deux combats, c'est. À l'aide! Y'a Rally qui me regarde en mode je peux pas t'aider là en ce moment, j'ai pris mon RTT défense. Je peux pas trop t'aider là en ce moment, c'est compliqué. En plus, ça n'a même pas appris une compétence en plus. Alors, je récupère des points de source. Hein. Il me. Eh, mais. Eh, je vais mourir. Je déconne pas. Je. J'ai un moment de temps de rigoler, mais Rally me m'aide pas. Bah, ça a autant de. Ça. Mais les gars, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, il dort. Mais Rally qui me regarde en train de danser la Zumba avec l'autre monstre. Ah, mais l'autre, elle est morte, non? Mais il me voit danser la Zumba là, je m'en. Ah, super, franchement, on s'amuse. Hein. Bon, vu que j'ai entre grosses guillemets truc illimité. Voilà quoi. Tiens, Rally, tu te fous de ma gueule, bah voilà, démerde-toi. Comme ça, tu. Elle est chère, Rallick. C'est autour de. Ok. Ifan, alors. On va invoquer le loup. Puis le loup, il va se démerder. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma souris qui déconne. Ah, c'est normal. Hop, et maintenant, il chope l'aggro. Ah mais si, elle va encore. Bon. Alors, hein, Ralik, tu faisais le malin tout à l'heure. C'est pas, tu l'as fini, t'as Non, compris? j'ai toujours pas fini, hein.
Rallye m'aide pas donc et moi je fais 3, 5 de dégâts. Je suis obligé de prier de faire des coups critiques pour lui faire des dégâts quoi. Ah, mais il se barre. Bah ouais, mais Rally il est nul, il sert à rien, c'est un bolos. Vous inquiétez pas, je vais revenir avec plein de points de source. Ah oui, le loup qui prend cher. Hein. Il est mort. C'est pas grave, il peut revenir au tour prochain. C'est vrai que j'avais ça. C'est à toi de... J'arrive, Chinois ou arrive. C'est faux. Ça, il fan. Ah non, il faut attendre 5 tours avant qu'il revienne. Ah c'est bon, tu l'as fini ton copain, ça y est. Il était temps. Qui a besoin de soins? Personne? Ah non, je suis plus pétrifié moi, donc je me soigne pas s'il te plaît. Ah, c'est pas des cibles valides. Bah, Ifan il peut pas, il peut pas, ça sert à rien de le soigner. Bah. Ah, il a pas le dôme lui. Bah. Voilà. Bon, Ishinoru arrive. C'est pas une blague. Bon, Ralik là. Tu m'as rien appris. L'île sans nom t'attend. Bientôt que ça va enfin la dignité. Bon, Chinois, oui, là. Domination mentale. Putain, t'es charmé. Ah non, j'ai cru que t'étais... T'étais possédé, quoi. Mais en tout cas, Chinois, oui, t'es arrivé. Il a galéré. Il arrive avec 2 points de source. Oula, qu'est-ce qu'il va, lui? Attention, ça va piquer. J'avais dit que ça allait piquer. Hein. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais ils sont charmés. Oui, il s'attaque les saguets. Ah ok. Bon, vu que je vais devoir vous affronter. Ah non, ça se finit par une heure que à tour. Après, on revient normalement. Ok, dans ce cas. Voilà, c'est juste pour tempo. Puis il est là-bas. Est-ce que je peux faire un pas pour lancer ma... Voilà. Écoute, ça a encore à moi de jouer. Et boum, prends ça. Dis hâte. Ouais, gras gras, ouais, super gros. Je sais pourquoi il fait plus rien, c'est car il a atrophie. Attends, t'es charmé encore pendant combien de tours? C'est le dernier tour. Ah, mais ta bestiole, elle va m'attaquer là. Non, non, c'est bon, c'est moi qui la recontrôle. Bah. Ah ouais, putain. C'est fort le charme en vrai. Après ils ont pas beaucoup de défense physique, c'est ça? Ouais bon si quand même. Ah on est plus que deux quoi. Pas trois avec mon avocat. Bon lui il est retour. Ça lui, s'il veut nous attaquer, il faudra qu'il se tape
Une attaque d'opportunité sur la cape. Ah ouais. C'est quoi cette... Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Mais... C'est quoi ces dégâts? Bon après il a marché, donc rupture tendon, c'est là que c'est pété quoi. Tu peux, je pense, l'achever. Oui. Mais vas-y, j'étais... Les dégâts qu'il fait quoi. Après l'autre il est... Ouais bon, il a perdu la moitié de sa vie aussi. Bon bah va falloir ressusciter tout le monde. Ouais bah en retour tendon, je suis mort mais avec les honneurs quoi. Parce que retour tendon, ça quand même, ça l'a bien tué quoi. 10 000 points de vie, d'SP, waouh. La vache. Putain, j'aurais fait rupture tendon sur lui aussi. Bon bah tu vas être l'unique survivante. Tu vas devoir tous nous ressusciter. Je suppose que l'autre elle est morte. Ouais. Ma master Silva là. Bon, je suis mort, mais avec les honneurs. Puisque l'autre, je l'ai bien amoché grâce à cette rupture de tendon. J'avoue que c'est pété ça, rupture de tendon. C'est une blague? Ils ont rien fait. Putain, mais genre, le je vois pas à cause de la table de merde. Quoi. Surtout que bon... Quoi je... ouais, bon. Non. Voilà. Bon, maintenant, faut ressusciter tout le monde. T'es encore en combat? Pourquoi j'ai encore les trucs de combat? Bon, je sais pas. Moi je les ai encore, c'est marrant. Bon bah plus qu'à ressusciter tout le monde. Hein. Non, je vais sortir de la fumée. On a un qui était vide. Je vais voir en faisant halt. Bon, je suppose que maintenant c'est fini quoi. Ah ouais. Ah oui, ça me montre tous les. Oh putain, mais on peut tout lui prendre. 3000 or. Ah oui. Ah, j'ai vu que t'avais ramassé un truc de... Et un truc les champions. Oh bah, ça doit être un peu animé. En vrai, je pense que si je m'étais pas pris l'attaque d'opportunité comme un con, il serait pas mort chez Noro. Va falloir racheter des trucs d'équipement quoi. Bon ça va, t'es parti en attraction avec ça, il m'a resté là. Petit rituel de la guérison. Bon, Shinohao qui arrive en dernier, puis qui se butait en 10 secondes. Ah,
après avoir fait à copote, je sais pas combien de temps contre. J'avoue, hein, j'ai... il a galéré le combat. J'ai galéré contre. Mais je faisais des. En fait, comme j'ai aucune magie, hein, Shinaru il est full corps à corps, bah ça s'est senti quoi. Je vais m'arrêter là pour ça. Ouais, bah en vrai on a bien avancé, j'ai l'impression. Juste, je soigne tout le monde, qu'on revient à full vie quoi. Bah attends, je peux aller parler au Katam Solo. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup bah ouais, on va pouvoir arriver au chapitre 4 du jeu. En parlant de maladie, ça m'est. Ouais, écoute-les. Bah tiens, bah c'est là où on doit aller, Art. On doit aller à Ars, justement. Voilà, il faut le vie. Allez, salut. La façon dont elle a fini était ridicule. Mort comme elle a vécu, comme une merde. Oh bah va falloir faire un meilleur stuff là. Bon, quoique moi ça va encore. Bon oui toi, bon, voilà. Et ton stuff légendaire c'est sûr que ça aide. C'est pour ça que... Oui. Franchement hein, moi je prends les poubelles. Hein. T'as un équipement qui t'intéresse plus, moi je prends. Hein. Ah oui un bâton de feu. Ah ouais mais non ça on s'en branle. Équilibre. Bah ça y est, j'ai une armure légendaire maintenant. Moi, je veux bien l'anneau de promesse que t'as dans ton équipement. À quoi? T'as un anneau de promesse qui fait 56 en résistance magique. Si tu t'en veux pas, je veux bien. En vrai, je pourrais le remplacer. À la place. Ça, allez, on peut... En vrai, je vais peut-être acheter des livres d'artisanat pour qu'on puisse faire des potions parce que là. Non, je vais l'équiper le machin, mais si tu veux, je peux te filer de anneau de Tanak à la place qui est à 39 et qui te donne 30 points de vie. Ouais, ah, ouais. Pas mal. Ah oui, l'armure de brise-pied, ah oui. Tu veux à qui? Shinaru. Bon, après, il utilise pas de magie donc. Oui, et c'est l'armure de brise-pied, j'en ai un peu ça aussi. Voilà. Il a tremblement de terre lui aussi. Si t'as un anneau en rab, t'as de la combien du coup? Ah ouais, il a 223 en arme magique. Bon, les points de compétence, je la mettrai à la prochaine session. Si t'as un autre anneau. Oui. Personnage principal, 437 en arme magique, 267 en arme physique et 805 PV en tout. Ah, j'ai pas encore mis mes points de compétence, mais. J'ai Naruto 548 PV, 170 armure physique et 233 d'armure magique. Sachant qu'avec sa magie cœur d'acier, il double sa magie physique, donc il a 340, je crois. Donc c'est plutôt bien. Ah oui, j'avais pas vu qu'on avait joué aussi longtemps.